Salut les amis, moi. Jodi a dans 60e numéro rubrique nous en ma Bible mon trésor, nous pral présenter la deuxième épître de Jean. C'est livre qui picoute dans Bible et le Nouveau Testament. Nous ta remet que profiter occasion également pour lire les 13 versets que livre ça gen là-dedans. Gon premier groupe de monde qui fait recherche avec commentaire sur la Bible dit que la deuxième épître de Jean l'est adressée à une dame qui t'a vive à Éphèse et le nom de cette dame c'est Kyria et lettre là l'est adressée également à petite Kyria. Si ça est dit à réel, la deuxième épître de Jean serait le premier livre adressé à une dame dans la Bible. Gagné un deuxième groupe de spécialistes qui plus quoi que lettre ça a été adressée à une église et à membre qui t'a persévéré dans l'église ça. L'essentiel c'est que moi-même avant nous qu'a tiré un pile bon bagage dans deuxième épître de Jean. Livre ça c'est un très beau discours sur la vérité et l'erreur. Et c'est comme ça deux mots clés qui dans livre ça c'est amour qui répété 4 fois et vérité qui répétait 5 fois. Livre ça a été écrit pour adresser une mise en garde contre l'hérésie. Hérésie, c'est toute opinion et doctrine qui contraire avec parole bon Dieu. Et deuxièmement, mise en garde là, c'est pour tout le monde qui vive dans la vérité, yo fait en pile attention pour pas fréquenter faux docteurs. Faux docteurs dans la Bible, c'est monde qui a enseigné mauvaise doctrine yo. Ça nous relève hérésie, bagaille qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Dans un coup de présentation, deuxième épître de Jean, au moins, il y a trois éléments d'information qui t'a dû attirer attention. Premièrement, c'est l'éloge que l'apôtre Jean adressait à destinataire lettre-là, c'est-à-dire à Kyria. Après un petit coup de salutation d'usage, l'apôtre Jean l'y réjouit. Li bat bravo contentement parce que gen an pile nan petit Kyria yo ki ta viv nan vérité et ça li réjouit le cœur de l'apôtre Jean. D'où chaque fois marcher dans la vérité c'est la parole de Dieu, ça réjouit cœur non seulement les serviteurs et les servantes de Dieu, nous sûr certains le Saint-Esprit l'a posé sceau d'approbation li sur la qualité de votre marche. Après bravo contentement pour si la ka viv dans la vérité, mais apôtre Jean va l'adresser des mots d'exhortation, d'encouragement à Kyria et à petit Lio. L'apôtre Jean montre ta doit gain bon genre relation entre monde qui croit dans bon Dieu et la vérité qui sortit dans bon Dieu. L'apôtre Jean encourage ses bien-aimés à continuer à marcher dans la vérité et dans l'amour. L'amour avec vérité, c'est deux bagages qui importants ou besoin pour qu'a bien faire l'évangile. Bon petite explication. L'amour youn pour l'autre, c'est deuxième plus gros commandement que Seigneur a bail à tout monde qui a marché ensemble avec lui. Il dit ça même oui, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais lorsque l'amour ou pas gain vérité, ça fort gain fausse côté, ou capable tomber dans gros doctrine relé libéralisme. De même l'orgue vérité ou pas gain l'amour sont notre force côté lié. Ça capable faut tomber dans l'autre gros doctrine yore le légaliste. Légaliste, c'est moun qui a respecté strictement la loi, ça pas dit rien. Tout moun met mouri, yo observé la loi Jean lié. Verset 5 à verset 6 dans épître là, l'apôtre la fait comprendre deux éléments ça yo important en pile pour moun bien faire l'évangile et marcher selon la volonté de Dieu. Vivre dans l'amour et vivre dans la vérité. Troisièmement, pour sortir dans verset 7 pour arriver dans verset 13, l'apôtre Jean bail bon genre avertissement. Avertissement pour moun éviter tomber en bas doctrine Satan, tomber en bas faux docteur qui a servi Satan et tomber en bas propre erreur païen. Et l'apôtre Jean li bail bon genre exhortation pour Kyria capable continuer vivre et marcher dans la vérité. Parce que il y a pile récompense pour moun k'ap marché et vivre dans la vérité. Faux docteur yo, c'est moun k'ap chercher coûte que coûte pour tromper et menon loin de la vérité. C'est moun k'ap dou Jésus-Christ pas jamais vin sur la terre pour vin mourir pour péché yo et ressusciter pour capable vivre gen bon genre relation avec bon Dieu. Fais attention à moun sa yo et c'est sous ça l'apôtre Jean t'a insisté parce que relation avec moun sa yo li nocif à la communion fraternelle
et mener disciple bon Dieu loin parole bon Dieu. Moi espérer que vous comprenez plus bien. Dans rubrique ça, les a encouragé pour lire la parole de Dieu pour qu'a gagner plus vérité. Finalement, dans épître là, l'apôtre Jean montré gagner bon gens récompense pour monde qui vivre dans la vérité. Alors, amis moi, kembe vérité et pas jamais oublier parole bon Dieu, c'est celle source vérité qui gagne pour chrétien et ensuite pratiquer l'amour youn pour l'autre. Laisse ça, la vie nous a totalement en accord avec la Bible qui c'est la parole de Dieu. Bonne journée et bonne lecture de la deuxième épître de Jean.